Bonsoir les cousettes, êtes-vous prêtes pour le live Besançon jour 3? Eh bien, nous allons commencer dans quelques instants, je vous attends. Aujourd'hui, on fait un point technique, on va faire la partie zippée de Haute-Besançon. Donc on va prendre notre temps pour ces étapes parce que c'est vrai que ça fait partie du pack additionnel et pas du patron de base. Donc du coup, je vous attends, je vous vois arriver. Comment allez-vous? Bonjour Micheline. Bienvenue. Alors, vous entendez sûrement beaucoup d'oiseaux parce qu'il pleut. Donc, je pense que, voilà, ça les a un peu excités. Donc, s'il y a trop de bruit, je fermerai la fenêtre. Bonjour Sophie, comment vas-tu? Dalia, elle nous rejoint. J'ai vu que... Salut Christelle. J'ai vu que vous êtes nombreuses à avoir rejoint le groupe d'entraide. Donc, ça, c'est chouette. J'ai vu plein de besaces en cours qui vont être très, très jolies. Donc, ça me fait trop plaisir. Salut Cathy, comment ça va? Donc, nous sommes samedi. Bonsoir Karine. Je sais pas chez vous, mais chez moi, il a fait super beau et même très chaud. C'était une belle journée et je suis très contente de vous retrouver ce soir pour avancer notre ouvrage. L'atelier de Karine, bonjour. Bonsoir Diane. Bonjour les cousettes, elle nous dit bonjour. Sophie, ça va? Parfait. Myriam, un coucou du Var. Coucou Myriam. Et Patricia, bienvenue. Alors, je vais attendre que tout le monde arrive tranquillement parce qu'on est samedi. Vous avez sûrement fait mille et une activités. Bonjour Audrey. Et du coup, comme ça, on va s'installer et on va pouvoir bien prendre notre temps pour ces étapes. Sylvie, elle dit, il fait très beau et chaud. Super. Ah, et Sabrina, elle dit, oh là là, je vais tout louper. Bon, je rattraperai avec les replays. Oui, Sabrina, le premier replay, c'était un récap des pièces et les pièces de passant et de la sangle. Et salut Véronique, salut Sophie, bonjour Muriel. Et le deuxième, c'était les pièces faciles des poches. Donc si tu rattrapes, je pense que tu peux rattraper rapidement. Il n'y a pas de problème. Voilà, alors attendez, je vois que mon ring lumineux se reflète là. Donc je vais l'enlever parce que ça m'agace. Hop, comme ça je ne le verrai plus. J'avais mis un peu de déco, mais trop de lumière, voilà. Et aujourd'hui, on va faire, comme je vous disais en intro, on va faire le zip de haut de sac. Sophie, elle dit, mise à jour cet après-midi, parfait, bonjour Gwenaëlle. Et bonsoir Maryse et tout le monde, effectivement, salut Nicole. Et du coup, comme je vous disais, donc ce qu'on fait aujourd'hui, ça fait partie du pack additionnel. J'avais vraiment envie pour ce live de vous faire un peu d'additionnel et pas rester sur le patron de base. Il pleut Sophie, moi il pleut aussi. Moi je suis en Île-de-France, il pleut. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Merci Fanny pour tes étoiles, c'est adorable, merci beaucoup. Salut Claire, bienvenue, et Simone aussi. Et du coup, là, on va prendre vraiment notre temps pour ces étapes, parce qu'on va couvrir une fermeture. Et j'ai révisé, j'ai fait une petite pièce d'étude juste avant le live, donc normalement c'est frais, on va s'en sortir. Dans les petits conseils que je vais vous donner pour ces étapes, ça va être de vraiment essayer d'être minutieuse. Quand vous allez coudre, d'essayer d'aller bien droit, de respecter les marges de couture. En réalité, s'il manque 1 ou 2 mm par-ci par-là, c'est pas grave. Mais comme c'est la pièce que vous allez voir quand vous allez soulever le rabat de votre ouvrage, forcément, vous aurez envie qu'il soit joli et bien cousu. Donc, on va s'appliquer pour ça. Bonsoir à toutes. Delphine, Florence, Sabrina qui nous rejoint. Je vois que vous arrivez. Parfait. Coucou tout le monde. Elle dit Cécile. Et Sandrine, bonsoir à tous. Alors, pour notre étape du jour, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser votre pied post-fermeture, d'accord? On va principalement coudre une fermeture. Merci Micheline, elle dit à défaut des étoiles, voici des cœurs. Je prends les cœurs aussi, c'est adorable, merci beaucoup. Et Fabienne, elle dit qu'à Toulouse, il pleut pas et dans l'Ain, il y a du soleil, nous dit Gwenaëlle. Eh ben, c'est chouette, profitez. Là, il pleut pas beaucoup, mais c'est bien, ça va faire un peu de fraîcheur quand même. Alors, Brigitte qui dit « Contente d'avancer ensemble » et moi aussi, je suis vraiment contente et de voir votre enthousiasme aussi sur les réseaux parce que j'ai vu du coup que vous étiez contente de votre projet qui prend forme et donc du coup, c'est communicatif, ça me fait trop plaisir. Sabine, bonsoir, Linda aussi et Aurore qui nous rejoint, Marie-Christine aussi. Donc, et Fabienne. Du coup, ce qu'on va faire là, je vais vous rappeler les pièces qu'on va utiliser. Toutes les autres, vous pouvez les mettre de côté. On n'en a pas besoin aujourd'hui. Toutes les pièces qu'on a déjà réalisées, c'est pareil, vous pouvez les mettre de côté. Donc, si vous nous rejoignez pour ce live, salut Virginie, et vous n'avez pas fait le début, pas de panique, vous pouvez prendre en cours et rattraper le reste en replay, d'accord? Alors, je vais vous montrer les pièces et je vous invite à mettre votre pied pose fermeture
pour le moment. Salut Linda, salut Cachou et Eve aussi et Ginette qui nous rejoint. Ce qu'on va faire, plus sombre qu'hier, oui, Anne-Marie, du coup j'ai allumé la lumière. Comme ça, je suis sûre que je ne vais pas être prise dépourvue. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Je vous invite à mettre votre pied post-fermeture et on utilisera le pied classique, mais à la fin, quand on aura fait toutes les étapes techniques. Et si vous voulez suivre du coup les étapes, j'ouvre mon petit tuto sur ma tablette. Donc, je suis sur le pack additionnel, d'accord? Et on va travailler à la page 70. Donc, vous allez voir le pack additionnel, il y a plein d'options différentes. On a déjà fait le rabat passe poilée en biais. Maintenant, on va faire le dessus de haut de sac. Salut Marie-Laure. Alors, je vais sortir tout ce qu'il faut et je vais vous faire un petit récap des pièces, d'accord? On y va. Important, gardez votre fer à repasser ou votre presse pas trop loin parce qu'on va en avoir besoin assez rapidement. Pour ne pas dire tout de suite, donc vous pouvez l'allumer. D'ailleurs, je vais le faire moi aussi. Alors, au niveau des pièces qu'on va utiliser aujourd'hui. Salut Carole. Bonjour Elisabeth. Alors, on va utiliser les pièces BZ, d'accord? On l'avait découpé deux fois dans le tissu en coton imprimé, ok? Donc deux fois. Et très important, il faut que ces pièces soient entoilées. Sauf si vous utilisez du demi-laté de coton. Mais sinon, il faut absolument les entoiler. J'ai fait... Alors, salut Carole, comment tu vas? Est-ce que je peux voir votre sac BZ Lou taille 2? Eh bien, je peux te montrer, je l'ai sorti, la version de base, mais pas mon sac à moi, parce que c'est une taille 3, et pour elle est encore en bas, comme d'habitude. Attends, j'arrive, Carole, je te montre ça. Pour vous rendre compte de la taille 2, je l'ai sorti hier, donc ça c'est la taille 2, la version de base. Donc ça c'est, bon, je sais pas si vous voyez bien, c'est un flex pailleté qui est là. Donc nous on n'a pas du tout fait ce rabat là hein, parce qu'on a fait le rabat en biais, mais c'est pour vous rendre compte de la taille. Voilà, hop, et ça donne à peu près ça. Donc ça fait un sac à main assez sympa pour l'été. Et qu'est-ce que je vous disais, oui, les pièces. Donc très important, il faut qu'elles soient entoilées, parce que moi j'ai fait une pièce d'étude juste avant le live, j'avais pas entoilé, puis je me suis dit je fais vite fait, et honnêtement c'est un peu trop fluide, ça va vous rajouter des difficultés. Donc BZ en doublure. Et aussi BZ en tissu extérieur. Donc moi, je suis toujours dans ma suédine qui est non entoilée parce qu'elle a du maintien, d'accord? Si vous utilisez... merci Fabienne. Si vous utilisez un tissu extérieur en demi-natté de coton ou en coton, je pense qu'il faut l'entoiler, d'accord? Toutes les autres matières, ça ira, toile à sac, suédine, velours, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a besoin de notre fermeture qu'on va retailler en premier, d'accord? Donc vous avez normalement une fermeture au mètre. J'avais demandé 50 cm de mémoire. Il nous faut aussi les pièces HD, là, de haut de doublure, donc qui sont en coton entoilé. Ok. Vous me dites, hein, s'il y a trop de vent ou trop de bruit, je peux fermer la fenêtre, n'hésitez pas. Nous avons besoin aussi des pièces de bas de doublure BD, d'accord, qui sont en coton entoilé aussi. Et de mes petites languettes, alors, on a... les plus petites, PLZ, petite languette de zip, il y en a deux, d'accord? Elles sont entoilées, c'est important aussi pour se faciliter la vie, sauf si on utilise du demi-natté de coton. Et la pièce LZ, d'accord? Donc c'est la grande languette. Toutes les autres pièces, je n'en ai pas besoin aujourd'hui, vous pouvez laisser que ça devant vous. Et bah, si vous êtes prête, on va y aller. Donc je vais tourner la caméra. Comme aujourd'hui, c'est technique. Il y a Claire qui est là, bien entendu, comme d'habitude. Elle va répondre à vos questions au fur et à mesure. Mais si à un moment vous êtes perdu, n'hésitez pas à dire « help, je m'arrête ». D'accord? Parce que le but là, c'est de prendre notre temps sur cette étape pour faire quelque chose de soigné et joli. Voilà, vous savez tout. On va y aller. Gardez vos pinces précieusement de côté. Une paire de petits ciseaux. Et on a besoin aussi d'un crayon textile. Cathy, elle dit, c'est sympa d'entendre les oiseaux. Eh bien, c'est chouette. On va se faire un petit moment zen couture ensemble, comme les autres jours. Hein. C'est chouette. C'est un peu marathon de couture hein, pour moi, parce que du coup, je couds avec vous, je suis trop contente, le stress retombe, je active les replays, je vois vos messages, et bim, on recommence, et je restresse de, bah, est-ce que ça va aller, ce que je vais vous expliquer et tout, et ça retombe, bah, voilà. C'est une semaine un petit peu dans l'action, mais c'est chouette.
Alors, je n'ai pas les deuxièmes. Pouvez-vous donner les dimensions, Sandrine? De quelles dimensions as-tu besoin? Parce que je n'ai pas compris ta question. Je vais vous donner, en attendant que Sandrine me réponde, je vais vous donner les tailles de fermeture. Parce qu'on va retailler ensemble. Alors, attendez, je me suis fait une anti-sèche. Derrière la pièce BZ, en réalité. Voilà. Donc, on a... Le bas de l'image est très noir, contrairement à hier. Ah bon, Anne-Marie, je ne sais pas. Parce que moi, je vois la même chose qu'hier. Est-ce que ça va pour voir quand même? Donc là, on va prendre notre fermeture, d'accord? Et on va la retailler. Donc, je vous donne les indications de taille maintenant, tout de suite. Et moi, je vais retailler ensuite quand je vais tourner l'écran. Donc, si vous travaillez sur la taille 1, il faudra retailler votre zip en un zip de 24 cm. D'accord? Attendez avant de tailler, je vais le faire en même temps que vous, comme ça vous verrez. Taille 2, 27 cm, donc ça c'est moi, taille 2. Taille 3, 31,5. Et taille 4, 48 cm. Ok? Salut Stéphanie, ça va? Bonjour à tous, elle dit Mima. Mima, mamie. Ah, c'est joli comme petit nom. Allez, on y va. Tout est ok pour moi, pour l'image. Et ben Christelle, c'est parfait. Donc je vous tourne. À partir de là, je vais moins voir vos commentaires. Donc, je compte sur Claire qui est trop magique et qui répond même avant que j'ai le temps de vous répondre parfois. Allez, c'est parti, on y va. Live Besaslou, acte 3, c'est maintenant. Coucou Maryse. Eh ben écoute, t'es en retard mais on n'a pas commencé, donc tu vois, t'arrives juste à temps. Bienvenue à Catherine. Alors, on va commencer par retailler notre fermeture. Donc, je vais pousser tous mes petits, toutes mes pièces. Voilà. Et je vais sortir une paire de ciseaux qui ne soit pas pour le tissu. C'est cela. Ok. Alors, vous voyez votre fermeture, elle a un curseur, bien entendu. Ok. Et du coup, on va venir retailler la fermeture pour qu'elle fasse la bonne taille. Donc, moi, je vous conseille, ne mettez pas le curseur au bord, si possible. Ok. Et donc, la bonne taille. Moi, je travaille sur la taille 2, donc je veux 27 cm. Hop, donc, je vais prendre mon mètre et je vais mesurer. J'aime beaucoup ton étagère à bobine. Eh bien, merci Cécile. C'est un artisan qui me l'a fait, il s'appelle Touche de Bois. Je te la montre. Elle est là et moi, je l'aime bien parce qu'en plus, en dessous, tu vois, j'ai la petite accroche pour mettre mes canettes. Normalement, il y a les couleurs assorties, mais là, comme j'ai fait du rassort de fil, je ne les ai pas toutes faites, mes canettes. Voilà. Hop. Catherine, elle dit, je te reprends ce soir juste pour te faire un coucou. Eh ben, coucou Catherine. Du coup, on va venir mesurer. N'hésitez pas à me dire si je dois zoomer, hein, surtout. On va venir mesurer notre fermeture. Donc, on va placer le mètre au début, d'accord? Et on va se faire un repère. Donc, moi, je veux 27 cm. Donc, ça m'arrive ici. Je vais décaler un petit peu mon curseur. Voilà. Donc, 27 cm. Alors, on n'est pas à 2 mm près, hein, parce que vous allez voir que la fermeture, elle vient pas, elle s'arrête pas au bord. Elle s'arrête pas juste au bord de la pièce zippée, elle dépasse. Donc, bien sûr, j'ai pris un crayon gris sur une fermeture noire. C'est une très, très bonne idée. Voilà, bon. Donc, une fois qu'on a fait notre opère, vous ne le voyez pas, mais moi, je sais qu'il est là, d'accord. On va venir couper la fermeture. Donc, surtout, on n'utilise pas ces ciseaux de couture. Alors, hop. Voilà. Donc, on garde bien le curseur sur la fermeture qu'on garde. Hein, ok? Voilà. Je vais vous zoomer un petit peu et je vais vous dire les étapes. Hop. Voilà. Et on va zoomer un petit peu. Donc là, partout, on va allumer notre fer à repasser et on va travailler sur les petites languettes. Alors, j'allume mon tuto pour vous dire ce qu'on va faire. Voilà, donc je vais prendre aussi ma planche à repasser et donc j'ai besoin juste des deux petites languettes qui sont là, P, L, Z, ok? Le reste, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Donc si vous regardez sur PLZ, hein, je filme en miroir, je rappelle, c'est pour ça que tout est en miroir, justement. Vous avez ici un repère de repli qui sont des petits pointillés. Donc en fait, exactement comme les pièces de passant, je vais venir placer devant moi mes petites pièces. Et je vais reporter le repère de repli en haut
et en bas de chaque pièce. Voilà. Ah oui, alors normalement, il faut faire attention au sens du tissu. Hein, mon tissu, il n'a pas vraiment de sens, mais vous voyez là, on a le sens du motif. Voilà. Donc une fois que j'ai reporté ça, je vais venir tracer pour prolonger mon repère et obtenir exactement la même pièce. Ok. Voilà, donc j'ai exactement la même pièce avec le repère. Ok. La marque de mon crayon Amandine, c'est beau, hein. C'est un crayon comme ça. C'est un porte-mine et j'ai plusieurs coloris de mine. C'est pour ça que je disais, ah mince, j'ai utilisé un coloris gris parce que j'ai des mines roses, blanches, voilà, j'en ai plusieurs. Et moi, je l'aime bien. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir exactement comme pour les pièces de passant. Rappelez-vous, on avait plié le long du repli, ok? Donc là, j'ai mon repli ici. Donc, je plie le long du repli envers contre envers. Donc, je vais ensuite marquer ce pli au fer. Prendre ma petite presse. Et donc j'ai entoilé ces pièces là parce que je veux qu'elles tiennent bien en place. Donc voilà, mon tissu il reste en place et je vais faire pareil avec la deuxième. Coucou Julie, bienvenue. Hop. Donc là on va venir créer les languettes de début de fermeture parce que comme on travaille sur une fermeture au mètre, d'accord, là c'est ouvert au bout et de l'autre côté aussi. Donc une fois que j'ai marqué mes petits replis, j'ai plus besoin pour l'instant de ma presse. Je vais l'éteindre. Et voilà. Donc je suis ici. Ok. Et je vais placer ma fermeture face à moi. Alors, ça c'est ma main gauche. Vous voyez, le tatouage c'est la main gauche. Donc ça c'est mon côté gauche et ça c'est la main droite. Donc, vous allez ouvrir le début de la fermeture. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au curseur. Hein. Moi, c'est parce que c'est ouvert. Mais il faut ouvrir au moins le début sur 2 cm, d'accord, pour avoir une fermeture ouverte. C'est à ce moment-là... non, je crois que c'est après que je vous dis si vous êtes droitier ou gaucher. Oui, non, pour l'instant, on s'en fiche. Donc, on ouvre notre fermeture. Coucou Christine, bienvenue. Hop, et on la place à plat devant nous. Donc, on va prendre nos petites languettes, là, d'accord. Et on va les tourner sur l'endroit et on va venir, donc mon petit repli est de ce côté, d'accord, on va venir marquer le centre. Donc soit vous prenez un crayon textile et vous mesurez, soit vous êtes un peu flemmarde comme moi et vous la pliez en deux et là ça vous marque directement le centre. Après, hop, on reporte et donc là, bon, moi ça brille un peu, vous, je ne sais pas si vous voyez trop, et je vais faire pareil avec l'autre. Mais vous pouvez très bien mesurer, hein, c'est possible aussi. Hop. Voilà, donc là j'ai mes pièces de languette avec le centre qui, du côté qui n'est pas replié, d'accord? Là où il n'y a pas de repli, je marque le centre, ici, de l'autre côté. Ok? Coucou Martine! Alors ensuite, on va venir travailler sur le début de notre fermeture, ok? Donc je repère mon repli, il est ici, d'accord? Et je repère le milieu. Je vais venir poser ma languette face à moi et je vais venir commencer par le bas de la fermeture. Donc je suis comme ça. Je vais repérer le côté et je vais venir simplement, donc ici c'est... Attendez, je vais vous mettre une pince, peut-être vous verrez mieux. D'accord? Donc hop. Donc, juste en dessous de la pince, ici, c'est mon repère de milieu. Je vais venir poser. Donc, le repli, il est là, hein, d'accord? Il est sous mes doigts, ici. Je vais venir poser le bas de la fermeture en alliant le côté ici sur le côté et le cran du zip, enfin, la maille du zip contre le repère de milieu. Donc là, je vais le poser pour que ce soit... Je vais vous zoomer. Hop, voilà. Ok. Et prendre une petite pince pour fixer en place. Voilà. Donc je dois obtenir ceci. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je peux enlever mon repère en haut et je viens en fait replier la languette sur elle-même pour prendre le bord du zip en sandwich. Donc si comme moi, ça ne s'aligne pas bien parce que moi j'ai pris un très gros zip, hop, vous repliez
vous le rabattez un peu plus bas. Donc je vais pousser pour vous montrer ici. Vous voyez, je veux la maille du zip en haut, hein, d'accord? Et donc je suis endroit contre endroit, c'est normal. Donc je vois l'envers de la pièce face à moi et je vais venir ici et mettre une petite pince pour que ça ne bouge pas. Je peux en mettre plusieurs, mais je devrais les enlever pour coudre parce que la pièce est petite. Ok? Donc j'ai ça. Bienvenue Katie. Alors, une fois que j'ai fait ça, vous allez voir dans le tuto, je couds. Là, je ne vais pas coudre, on va placer toutes les pièces ensemble et ensuite, on va le faire. Pour le haut, c'est exactement la même chose, d'accord? Donc, je vais venir prendre ici. Oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas mis des photos dans le tuto. Donc, je vais venir prendre la partie repliée, elle est là, d'accord? Je la place, donc ça, c'est à droite, hein? Je place ma pièce à plat, la partie repliée est à droite et la partie non repliée est à gauche. Ok? Ensuite, ici, je viens prendre la partie libre de ma fermeture et je viens exactement de la même manière. Je vais vous remettre la pince. Ce sera plus facile. Hop. Alors, j'ai vu que Carole, elle m'a posé une question. Je regarde. Est-ce que c'est pour faire la propreté au niveau du zip? Oui, exactement, Carole, parce que je vais te montrer ma pièce d'étude. Ça va t'aider. D'accord? Alors là, c'est une pièce d'étude qui n'a pas de curseur. Donc, parce que c'était des chutes. Là, c'est bien trop loin, on est d'accord. Hein. C'était juste pour m'entraîner avant le live. Nous, on veut obtenir une pièce comme ça. Donc, on imagine qu'on a un curseur ici. Et tu vois, au début du zip, là, on voit ces petits coins de propreté. C'est ce qu'on est en train de faire ici, au début du zip. Ensuite, on ajoutera nos pièces. Et on en fera un aussi à la fin du zip. D'accord? C'est pour pouvoir ouvrir le zip sans perdre notre curseur. Donc, tu vas voir, ça va bien se passer. Il faut y aller juste tranquillement. Donc, ici, là, je vous ai mis une pince, d'accord? Donc, sous la pince, c'est mon repère de centre. Donc, là, la partie repliée se trouve à droite. Ça, c'est ma main droite. Hop, je plie. Et comme tout à l'heure, donc là, ma fermeture est sur l'endroit. On voit le curseur ici. Je viens poser le bord de la fermeture sur l'endroit de la pièce et je vais venir replier la pièce pour le prendre, prendre le bord de la fermeture en sandwich. Donc, je pousse pour vous montrer. Là, j'ai... Je ne sais pas si vous voyez parce que c'est noir. Attendez, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi, on recommence. C'est parce que j'ai fait pas bon. Donc, au lieu de la mettre, de le mettre là, vous le mettez en haut. Parce qu'en fait, hop, voilà. On veut venir ici avoir le repli au niveau, c'est ça, des dents du zip. C'est ça que je voulais vous montrer. J'ai fait exactement la même chose qu'en bas. En fait, il faut le faire en miroir, d'accord? Donc, vous vous retrouvez avec... Je vais mettre une pince, je vais pousser pour vous montrer, ok? On a le zip, les dents du zip au niveau du repli ici, alignées au bord, hop. Et là, on met une pince, on peut en mettre plusieurs, comme ça on est sûr que ça ne bouge pas, hop là. D'accord? Donc j'obtiens ceci, j'ai ma fermeture avec le curseur face à moi, je ne sais pas si vous... Attendez, je peux vous rajouter peut-être une lumière, voilà. Je ne sais pas si ça va trop... Je vais tirer un coup. Hop, voilà. Normalement, ça devrait être mieux. D'accord? Donc, j'obtiens ceci. Là, je vois la tirette du zip. Et ici, j'ai mes deux pièces qui sont pliées. D'accord? Endroit contre endroit avec vers l'intérieur de la fermeture le repli et vers l'extérieur le bord qui est tout droit avec les dents du zip. Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai fait mon placement. Ça donne ça. Ok? Donc, je veux absolument avoir, et c'est très important, les replis vers l'intérieur de la fermeture, là où il y a le zip. Hein, d'accord? Ils ne doivent pas se trouver du tout ici. Et la pièce est pliée en deux, endroit contre endroit, et elle doit correspondre. Alors, si les bords ici ne correspondent pas parfaitement, c'est pas grave, parce que vous voyez, ça dépasse de la fermeture. Et ici, on va rajouter une pièce. Je vous montre ma pièce d'étude. Donc, ne vous acharnez pas à avoir un alignement parfait ici, on s'en fiche. Parce que... Je vous montre une fois cousu, vous voyez, on voit la partie repliée là, qui correspond à celle-ci, ok? Mais toute cette partie-là a disparu entre les deux pièces ici, donc on s'en fiche. Hop! Donc du coup, une fois qu'on a fait ça, on est dans le tuto, je vous redis la page, hop là! On est, hop, je remonte, parce que j'ai
du coup sauter une étape. Nous sommes page 72, d'accord? Donc là, ce qu'on va venir faire, on va venir faire une couture, je vous montre avec mon stylo, au point droit, à 1 cm du bord de la fermeture. Donc on va faire une couture ici et ici, d'accord? Donc il va falloir enlever les pinces sur la partie non repliée, l'extrémité de la fermeture. Je vais allumer la machine parce que je ne l'ai pas allumée. Je vais prendre le pied le plus fin quand même. Parce que là, j'ai mis mon gros pied à faire un tour, mais je pense que le petit sera plus facile. Alors. Ok. Donc, je vais... Voilà. Donc, à ce niveau-là, on va venir coudre au bord. Là, on peut utiliser le pied normal, hein, il n'y a pas de problème. C'est juste que moi, j'ai pas envie de changer après. Je pense que peut-être j'aurais dû le garder. On va voir. Donc, je place mon pied au bord et je vais venir décaler, du coup, mon aiguille au maximum. Hop. Je vous zoomer un petit peu. Merci, Marie. Hop. Voilà. Ok. Donc là, on peut garder si on veut, je vais retirer toutes mes pinces, une pince ici. Alors attendez, je vais avoir du mal à la remettre. Parce que du coup, je l'ai retirée. Bougez pas, j'arrive. Ah ah. Bon, je sorte. On peut garder notre pince ici si on veut. Voilà. Donc, je vais devoir mettre l'autre pied parce que celui-ci ne fait pas un centimètre. Et j'ai la flemme de mesurer. Hop, voilà. Donc là, je pose mon pied. Normalement, celui-ci fait un centimètre, d'accord? Et je vais coudre tout droit. Donc, je fais un petit point avant-arrière. Sans coudre comme une folle. Hop, et je vais tout droit. Donc, attention quand je passe dans les dents du zip. Moi, je vous conseille, vous pouvez allonger un petit peu votre point. Allez, hein. Moi, je coude toujours très allongé. Je vais me mettre à 3. Allez. Donc je tiens bien ma languette pour qu'elle ne bouge pas. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai entoilée. Ah, attendez, parce que j'ai une épaisseur qui me gêne. Je vais mettre ma petite cale. Hop, derrière. Mais non, pourtant. Mais parce que je ne suis pas sur les griffes d'entraînement. Ah ah. C'est pas grave, je vais reculer. Donc, j'ai pas été jusqu'au bout trop, mais c'est pas ça. Hop. Donc, j'obtiens ceci. D'accord? Donc, je suis à 1 cm du bord. On fait la même chose sur la pièce ici. On peut ouvrir un peu plus aussi. Alors, si on ouvre la fermeture, on ouvre pas jusqu'au bout, hein, parce qu'au bout, on n'a pas de cran. Voilà, je me place pareil et je vais faire ma petite couture à 1 cm du bord. Du coup, je peux placer ma cale. Je vais prendre celle-ci. Voilà. C'est pas une bonne idée de déplacer. On est venu. Allez. Hop. Hop. Et attendez, je vais refaire parce que j'ai fait n'importe quoi. Parce que j'ai tiré. J'ai poussé. Je pense que je vais décaler l'aiguille. Je l'ai déplacée. Du coup, j'ai créé. Hop, un pli pas joli. Alors. Plutôt mettre un aiguille ici. Ah ah. Bon, je vais changer mon pied. J'arrive. Au
était ça. Et le pied de fermeture qui ne lui convenait pas. Voilà. Bon, du coup, j'ai mis le fil, hein. C'est pas grave. Hop. Voilà. Ok. Alors, du coup, oui, elles sont bien, ces cales. Elles sont comme ça. Je te montre. Elles sont comme ça. Tu vois, je peux faire différentes hauteurs. Alors, voilà. Donc, après la bataille, nous voici. On a comme ça. Vous avez vu, là, il y a eu bataille ici, mais c'est pas grave. Hop. Je vais couper un peu. Donc, du coup, on se retrouve comme ceci avec ici notre point 1 cm, dont un qui est du coup très très bien cousu. Hop, et on va venir maintenant dégarnir le bord. D'accord ? Donc, je vous mets là. Vous voyez, donc là, j'ai mon repli. Ok. Là, c'est la partie repliée ici. Donc, on va venir ici dégarnir dans l'angle. Donc, pas la partie, vous voyez, mon zip, il est là. Ok ? Pas la partie du haut ici, mais cette partie-là, je vais venir l'éliminer un petit peu parce qu'elle ne me sert à rien et j'ai trop de matière. Ok, donc on est comme ça. Ensuite, de l'autre côté, la même chose. Donc, je suis sur la partie ouverte, hein, d'accord. Ici, le petit angle-là, je vais venir éliminer de la matière. Voilà, donc là, ce sera plus facile pour retourner. Hop. Donc, du coup, une fois que j'ai fait ça, je vais venir replacer le bord de ma pièce sur l'endroit, d'accord, donc je tire simplement, et c'est pour ça qu'on l'a entoilé, c'est pour qu'elle se tienne bien correctement. Vous voyez, ça donne ça. Donc on commence à voir notre pièce prendre forme. Est-ce que ça va pour tout le monde? Mes cales, je les ai eues avec ma machine à coudre, mais je pense que ça doit pouvoir se trouver. Je vais voir si je vous trouve un marchand qui le vend, peut-être coudrebrodé.com, fait regarder. Donc, je vous montre la languette non retournée. Ici, ça donne ça. D'accord? Donc, j'ai dégarni l'angle et ici, j'ai retourné. Comme ça, ce qui se passe, c'est qu'ici, j'ai quelque chose de propre et j'aurais plus qu'à fermer le côté. Alors, hop, et on tire. Voilà. Hop. Donc, on obtient ceci. Donc, on commence à avoir la fermeture qui prend forme. Et là, si je ferme, du coup, eh ben, mon zip ne sort pas. OK? Donc, ce qu'on va faire... Attendez, je vais enlever tous les fils qui traînent. Hop, ça m'évitera de se mettre partout. Voilà. Du coup, j'avance un petit peu le tuto. Une fois qu'on a fait ça, on va venir, du coup, refermer. OK? Donc, on est comme ça. Donc, moi, je vous conseille d'ouvrir quand même. Ça vous gênera moins. Et là, pour refermer, on va essayer de venir aligner, je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est tout petit, le bord là, l'extrémité non cousue. Donc je viens ici, si c'est ressorti un petit peu, j'aligne bien le tissu, je peux ressortir un peu mon repli éventuellement si j'ai besoin, et voilà. D'accord, donc là, je mets ma pince et je le garde en attente. Et ici, même chose, hop, voilà, d'accord ? Oui, il ne faut pas la couper la couture. Faites, oui, tout à fait, Carole. Alors, du coup, une fois qu'on a fait ça, on va venir fermer. Donc là, moi, dans le tutoriel, je vous ai fait faire deux coutures. D'accord, je vous montre avec mon stylo. Je vous ai fait faire une couture au point droit ici, d'accord. Je ne vous ai pas fait faire de couture ici parce qu'on a les dents de la fermeture, ça fait de l'épaisseur. Et si vous voulez, vous pouvez surpiquer ici. Donc moi, je vous conseille de faire une petite piqûre là, une petite piqûre là. Vous n'avez pas besoin de fermer là parce que de toute façon, ça va disparaître. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette étape, vous pouvez faire juste une couture ici, d'accord, à l'extrémité, une petite surpiqûre parce que là, c'est fermé, donc ça va pas bouger. Ok, ça c'est vous qui décidez. Voilà, hop, donc je vais me mettre sous ma machine. Et je vais venir faire ma petite couture. Moi, je vais en faire qu'une. Voilà, hop. Je vais faire un petit point sur place. Et donc, oui, je reste à 3, c'est pas mal. Voilà, et je viens tout droit. Je pense à faire quand même un petit point arrière, d'accord. Et... mon fil. Donc ça me donne ceci. Je vais vous montrer ça, sachant que comme on va placer la pièce tout à l'heure, on va pas forcément voir cette couture. Donc ça donne ceci. C'est bizarre qu'il y ait peu de lumière comme ça. Voilà. Donc ça donne ceci. Je sais pas si vous voyez, ma petite couture, elle est ici. Vous voyez, maintenant c'est fermé. Ok ? On fait la même chose de l'autre côté, pour le coup. Exactement la même chose. Donc j'hésite pas à tirer un petit peu sur mon
mon repli si jamais le tissu a bouché. Et je fais la même chose. Donc c'est une petite surpiqûre, on essaye d'être près du bord. Bon, si vous êtes un peu plus loin, c'est pas grave, mais quand même essayez de rester le plus près possible du bord. Je pousse mon bazar. Voilà. Un petit point avant arrière et c'est parti. Hop. Ok. Est-ce que ça va pour tout le monde pour ces étapes? Donc là, vous allez voir que ça se place quand même assez facilement parce qu'on a entoilé le tissu. Moi, dans mon prototype, j'utilisais du demi-natté de coton, donc le filet, c'était moins évident. Et tout à l'heure, je l'ai fait avec un coton classiquement entoilé et c'est vrai que ça bouge pas mal. Ok? Est-ce que ça va pour vous? Alors, je peux choisir de couper ou pas. Moi, je vais couper parce que ça va me permettre de bien voir le bord de la fermeture, mais vous n'êtes pas obligé. Impect, elle dit Audrey, eh ben super. Donc, moi, je vais venir ici couper. Hop, pour aligner le bord avec le bord de la fermeture. Si ça se découpe un peu, c'est pas grave, hein, d'accord? Voilà. Donc là, j'ai mes petites languettes qui sont jolies et qui sont au début. Donc si je ferme, ça me donne ça. Voilà. Ok? Bonsoir Sylvie. On surpique le côté où c'était placé bien ça. Oui, Karine, tu surpiques le côté extérieur ici qui était ouvert, d'accord? Ici on avait un repli, donc tu vois on a une belle finition. Après si tu as envie de faire une petite surpiqûre aussi, ici tu as le droit, hein, y a pas de problème. C'est toi qui décides. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on a fait la partie la plus technique là des languettes, on va s'occuper de la languette ici. Donc pour le coup on va avoir besoin de notre fer à repasser, donc je vais le rallumer. Et je vais vous dire la page du tuto, hop. Alors, je suis page 74 et j'ai besoin de ma languette la plus grande. Alors, où est-ce que j'ai mis? C'est la question. Hop, je pense que je vais vous mettre ici en espérant que vous voyez. Ça m'évitera de déplacer ma machine. Enfin, pour l'instant, attendez, je vais chercher ma languette. Voilà. Donc, j'ai besoin de cette languette-ci. D'accord? Je cherche comment me mettre pour que vous voyez bien. Ah oui, parce que j'ai zoomé. Suis-je bête? Voilà, ça va être plus facile. Ok? Donc là, j'ai ma pièce ici. Donc ça, c'est le début. Et je vais me travailler au bout de la fermeture. Ok? Donc, attention au sens. Hein. S'il y a vous avez un sens de motif, faites-le correspondre pour qu'il soit pareil. Moi, j'ai pas de sens, donc ça m'arrange. Mais vous, faites-y attention. Alors, du coup, je vais venir prendre ma pièce de grande languette. Ok? Hop, et je vais la placer à plat. Je vais prendre le tapis après, parce que vous verrez mieux là, sur le blanc. Donc je le place à plat, d'accord? Je vais venir prendre ma fermeture, donc je vais vous déplacer le curseur comme ça, vous le voyez. Donc ma fermeture, elle est sur l'endroit, et je viens positionner l'extrémité, l'envers de la fermeture contre l'endroit de la pièce. Si vous voulez être sûr de bien centrer, on peut la plier en deux pour se faire un petit cran de milieu, ici. Un tout petit cran avec ma paire de ciseaux. Hop, d'accord. Comme ça, quand j'écarte, je vois le milieu. Je vais vous mettre une pince, vous verrez mieux. Pour le coup, hop là. Voilà. Donc là, sous la pince, c'est le milieu. Ok? Donc je viens mettre ma languette comme ça. Et l'extrémité de ma fermeture, je place le centre du zip au milieu. Et je mets des pinces. Donc j'aligne bien le bord de la fermeture sur le bord de la pièce. Voilà. Donc j'ai quelque chose comme ça, ok? Ce qui est important pour moi là, c'est d'avoir les deux petits côtés qui soient à peu près équivalents. On n'est pas à 2 mm près, mais ici, que ce qui dépasse de la pièce en haut et en bas soit à peu près équitable. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire une couture au point droit. Hop! À 1 cm du bord ici, d'accord? Exactement comme tout à l'heure. Alors, j'ai vu une question, CLZ, je dois entoiler aussi. Linda, moi je te conseille, ce sera plus facile à placer si tu entoiles. D'accord? Moi je l'ai fait sur mon prototype non entoilé, j'ai réussi, hein, mais ce sera plus facile. Du coup, je repasse sous ma machine, je vous retourne, hop là. Et je viens ici, alors pour m'aider, je peux placer plus de pinces et les mettre ici, parce que forcément là je vais les enlever. D'accord?
j'aimerais bien que ça ne bouge pas trop. Donc voilà, et ici je vais enlever ma pince et je vais venir coudre du coup à 1 cm du bord. Donc j'ai bien la fermeture en droit face à moi, d'accord? Et je vais passer sur les bancs du zip. Ok, je plante mon aiguille et c'est parti. Donc je fais un petit point avant-arrière. Elle est à l'envers la fermeture, Sandrine? Non. Sandrine, tu as l'endroit de la fermeture, tu vois, on voit le curseur face à toi. En fait, c'est l'envers de la fermeture qui se trouve contre l'endroit de la pièce. En fait, tu poses ta pièce et tu mets ta fermeture dessus, simplement. D'accord? Donc, tu vois bien, là, je te montre le curseur du zip. Je peux ouvrir ma fermeture, ok? Donc là, un petit point avant-arrière. On essaye que la fermeture ne bouge pas. Quand je passe dans les dents du zip, j'y vais tranquillement. Je crois que j'ai fait du décalage. Un petit peu. Bah, c'est pas grave. C'est les joies du direct, c'est pas très grave. Hop. Donc, on coupe. Voilà, tous les petits fils. Donc, on est ici, d'accord? Donc, c'est bien l'envers de la fermeture contre l'endroit de la pièce. Quand j'ai placé ma fermeture sur la pièce, je peux ouvrir, j'ai le curseur visible, d'accord? Pourrez-vous remontrer? Alors oui, je vais te montrer, mais avec un autre morceau de fermeture, du coup, parce que là, elle est cousue. Je vais te montrer avec ça. Donc, j'ai un morceau de fermeture, d'accord? Je vais prendre ma petite languette. Voilà, ma pièce de languette. Ok? Donc, ce que je fais, je viens marquer ici, je plie ma pièce en deux. Donc là où il y a les écritures, c'est l'endroit, d'accord? Ici. Et je me mets un repère au centre. Ce repère, il va correspondre aux dents du zip. Je ne sais pas si vous voyez les dents ici. Je vais ouvrir un peu comme ça, vous voyez. D'accord? Donc ça, c'est les dents du zip. Vous, vous ne l'ouvrez pas. Hein. Je viens. Donc là, c'est l'endroit de ma fermeture. Donc je pose ma pièce. Elle est sur l'endroit. Je prends ma fermeture. J'ai l'endroit face à moi. Et je viens centrer le milieu du zip sur le repère. D'accord? Si je soulève, là, j'ai mon repère et le milieu du zip. Je place des pinces ici. Je peux en mettre plusieurs hein, pour pas que ça bouge. Voilà. Le mieux pour coudre, c'est de les mettre là. Ok. Et ensuite, avec ma machine à coudre, je viens faire une couture au point droit ici à 1 cm du bord en traversant toutes les épaisseurs. Donc la fermeture, bien sûr, on voit toujours pas comment j'écris. Peut-être vous verrez mieux. Un petit peu. Voilà. Donc, je couds ici. Ok. Je ne sais pas si vous voyez. 1 cm et je traverse la fermeture, les dents du zip et la pièce. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, j'obtiens du coup cette pièce-ci, comme ceci. D'accord? Donc là, je suis sur le côté droit de la fermeture, mais peu importe, puisque je peux la tourner. Une fois que j'ai cousu, je vous montre l'envers. D'accord? Je viens tirer, rabattre ma pièce à l'extérieur de la fermeture. Donc, je me retrouve avec juste un tout petit bout de tissu sur l'endroit et l'envers face à moi. Je suis comme ceci. Ok? Et c'est là que va intervenir, du coup, mon fer à repasser. Donc, je vous tourne pour récupérer ici ma petite planche. Voilà. J'allume le tuto. Pour pas vous dire trop de bêtises. Oups. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, ici, vous voyez, là, j'ai l'envers face à moi. Je vais venir replier le haut, comme ça. En fait, la partie qui dépasse, ici, d'accord? Je vais vous zoomer. La partie qui dépasse, ici, du haut de la fermeture. Vous voyez, la fermeture, là, si je suis l'alignement, j'arrive au milieu de la pièce. Je vais venir le rabattre dessus. D'accord? Comme un sandwich. Hop, je fais ça et je le fais sur toute la longueur. Ok? Si vous voulez tracer, vous pouvez. Si c'est plus simple pour vous, je vais tracer pour vous montrer. Ici, je peux tracer là. Je prends la fermeture et je la prolonge. Alors, on mesure, hein, pour avoir quelque chose de droit. Hop! Ok, là aussi. Et c'est là que je vous ai dit que j'ai fait du décalage parce que j'ai l'impression que j'ai le haut plus grand que le bas. Donc ça me donne ça. Ok, c'est peut-être plus simple en traçant pour voir. Et donc je replie sur mon trait, hop, sur toute la longueur.
Et avec mon petit fer à repasser, je viens ici, hop, marquer le pli pour que ça ne bouge pas. Ok ? Donc une fois que j'ai fait ça, je place une pince. Hop, désolé, j'ai pas pris mon... Voilà, c'est mieux. Et je fais la même chose en bas avec mon fer à repasser. Oui, oui, j'ai un décalage parce qu'en haut j'ai une grande languette, en bas j'ai une petite, mais c'est pas grave. Je me débrouille. Un petit coup de fer. Hop, je place des pinces ici. Ok. Donc, je peux mettre des pinces là au début. Hop. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde pour ces étapes? Et donc, une fois que j'ai fait ça, je vais venir sur l'extrémité ici de ma languette, replier sur environ 1 cm. Donc je vais vous le tracer aussi parce que c'est plus simple visuellement de voir. Voilà, mon centimètre, il est là. Ok, donc là j'ai tracé 1 cm et je viens replier l'extrémité et je mets un petit coup de fer. Normalement ça se place bien avec le tissu entoilé, vous ne devriez pas avoir de soucis. Hop, et je place une pince, je vous montre ce que ça donne. J'obtiens ceci, d'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde jusqu'ici? Ou est-ce qu'il faut que je répète des étapes? Je vous attends, dites-moi, je vais boire un petit coup en vous attendant. Il ne doit pas être évident quand même en miroir, mais je pense que ça va aller quand même. Ok, je vois qu'il y a Claire et Christine au taquet, donc ça va. On replie à 1 cm sur le côté, d'accord? Une fois que j'ai fait ça, donc j'obtiens ceci, d'accord? Ici, si je tourne pour vous montrer, j'ai l'envers de la fermeture et là, j'ai ma languette qui suit le prolongement de la fermeture, en fait, normalement, qui est l'endroit est derrière. Et face à moi, j'ai l'envers avec des replis. Ok? Parfait. Patricia, elle dit, c'est bien expliqué. Audrey, elle dit, ça va, alors c'est bon. Une fois que j'ai fait ça, je viens replier la languette sur elle-même et je viens faire correspondre. Là, vous voyez le repli que j'ai fait ici, donc le bord de la pièce maintenant, qui était là, qui a été replié. Je viens ici et je viens cacher en fait le bord de la fermeture, d'accord? Donc je viens aligner le bord de la pièce ici sur le bord du repli, d'accord? Le but c'est quoi? C'est de venir prendre l'extrémité de la fermeture en sandwich, mais j'ai rallongé la pièce parce qu'on va pouvoir tenir cette pièce pour ouvrir et fermer notre fermeture, d'accord? Donc je vous remonte le geste, je replie et je viens aligner le bord ici, ici. Donc là je prends un petit peu de temps, vous voyez là le petit bord qui dépasse, j'essaye de bien l'aligner et je replace ma pince. Pareil de l'autre côté, j'ai trop de pinces donc j'en enlève, hop, et je viens ici. Vous voyez là, si j'ouvre les deux petits bords, je viens cacher. Hop, alors si ça se place pas bien, parfaitement, parfaitement bien. On vient à plat, on peut tenir tout et mettre un petit coup de fer pour que ça s'aligne parfaitement. D'accord? Donc là, prenez votre temps pour cette étape parce que cette languette, on ne va pas la voir forcément tout le temps. Mais si vous voulez la voir, c'est mieux qu'elle soit bien faite. Voilà. Hop, je remets mes pinces et donc je me retrouve avec l'extrémité de ma fermeture qui va être très bien finie. D'accord? Je vous montre ma fermeture. Au début, j'ai ça. Et au bout, là, j'ai une extrémité qui est jolie. Je vois passer plein de petits cœurs, donc je pense que ça va pour vous. Ok? Donc, une fois que j'ai fait ça, alors j'essaye le mieux possible d'aligner. On est bien d'accord, que ce soit joli. Une fois que j'ai fait ça, là, je regarde ici, l'extrémité, là, est fermée. Donc, je suis tranquille. J'ai à fermer le bord haut, le côté et le bord bas. Et vous voyez pourquoi j'ai commencé tout à l'heure en mettant la fermeture sur la languette. C'est-à-dire que là, je vais venir piquer, et quand je vais piquer, je vais avoir face à moi l'endroit de la fermeture. Donc ça, c'est la couture qui va se voir. La couture d'assemblage de tout à l'heure, elle est cachée du coup en dessous. La première qu'on avait fait à 1 cm, rappelez-vous. Donc là, je vais prendre mon temps pour faire quelque chose de joli. Je peux faire tout le tour du carré si j'ai envie, d'accord? Je fais comme je veux. Donc moi, allez, je vais faire le tour du carré, ok? Donc on n'hésite pas à déplacer ses pinces au fur et à mesure. Ici, j'ai pas trop d'épaisseur, mais ici, oui, donc je peux allonger un petit peu le point si j'ai envie. D'accord? Donc, maintenant c'est un petit coin.
Ok, je suis à 3, je pense que ça devrait aller, au pire j'allongerai. Donc je vais faire un petit 3 petits points sur place, mais vous pouvez faire un avant-arrière si vous n'avez pas cette option sur votre machine. Attendez, je suis pas en face. Voilà, ça va aller mieux. Et on peut éteindre... non, j'allais dire on peut éteindre notre fer, mais non, en fait, on en a besoin ensuite. Ok, c'est ça. C'est parti. Donc là, j'y vais tranquillement. Mieux vaut brider votre vitesse et aller doucement pour avoir quelque chose de joli. Quand j'arrive dans le premier angle, je plante mon aiguille. D'accord ? Je peux ensuite lever le pied et tourner. C'est ici, quand je vais coudre à l'extrémité, ici, ça risque de bouger, vous voyez, donc je vais tenir. Parce que la pince, elle va me gêner. Donc je le tiens bien et j'y vais tout doucement. Quand j'arrive, c'est toujours pareil, quand j'arrive dans l'angle, je plante mon aiguille. D'accord. Et je tourne, comme ça. Pareil ici, je vais être obligée d'enlever ma pince. Donc je tiens et j'y vais tranquillement. Alors, si ma machine a du mal à passer d'épaisseur, ce film me gêne, je trouve ça moche sur la vidéo. Je vais le couper. Je peux allonger mon poing, d'accord, pour aider la machine. Et je peux aussi réduire la tension du fil. Là, alors moi, je ne sais plus la tension que j'ai mis. Je vais être à 5, moi, ici. Sur votre machine, je dirais que vous pouvez vous mettre à 4. C'est pas mal. Ou 5. Comme vous voulez. Hop. Alors, du coup, là, j'ai besoin de ma 4 pour monter un petit peu l'épaisseur. Hop. Allez, je suis partie sans ma 4. Bien entendu, je pense que j'ai pas mis assez haut. Alors, on va faire mieux. Hop là. Compenser. Donc là, je tiens bien. Et quand j'arrive dans l'angle, hop, je tourne et je vais tout droit. Donc je vais venir jusqu'au bout. Je vais me faire un point avant-arrière ou un petit point sur place. Allez, un petit point arrière. Et je coupe mon fil. Ok. Donc, je vais couper mes fils et je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc, mes finitions, elles sont chouettes. J'espère que chez vous aussi, ça me donne ceci. Attendez, je vais vous allumer. Je reviens, je vais juste allumer la lumière qui est derrière moi, mon ring lumineux, plus fort, pour que vous puissiez mieux voir quand je vous montre des pièces. Voilà. Ça devrait être mieux. Hop là. Alors, est-ce que c'est mieux? Peut-être. Voilà. Donc là, bon, par contre, moi, je vois plus rien, pour le coup. Alors, est-ce que la netteté se fait? Hop, voilà. Donc, du coup, ça me donne ceci, d'accord? J'ai ma couture qui fait le tour. Derrière, c'est propre aussi. Voilà. Donc là, l'extrémité est finie. Hop. Du coup, une fois qu'on a fait ça, je vous attends que vous finissiez tranquillement. Je rallume mon petit tuto et on va s'occuper des pièces BZ, d'accord, de bande de zip. Alors, j'avance parce que dans le tuto, je vous explique comment utiliser une fermeture qui ne soit pas au mètre. Mais là, dans le live, normalement, vous avez une fermeture au mètre. Donc ensuite, ça s'appelle, c'est le point B, création de la bande zippée. Donc je suis page 81. Super ce tissu, Katie, elle dit, ben merci. Ah, Karine, elle dit, c'est clair, c'est beau. Eh ben, super. Voilà. Hop, je regarde un peu vos questions parce que je n'ai pas vu en même temps. Donc là, pour ça, c'est bon. Ensuite, on va prendre nos pièces BZ. Alors, je vous les montre. Et là, on va avoir besoin du tapis puisqu'on va repasser un petit peu. D'accord. Hop. Donc, on a plusieurs pièces ici. Je vais prendre que les bonnes. Donc, au deux zip, j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc, j'ai ces pièces-là. D'accord? J'ai les pièces BZ en tissu extérieur et les pièces BZ, vous voyez là, BZ en tissu de doublure. Donc, c'est exactement comme pour les autres pièces. Vous voyez que j'ai un repère de plis ici. Donc, je vais venir le reporter au dos de chaque pièce. On va d'abord reporter sur le coton et moi je vais le faire sur la suédine sans reporter, mais vous faites comme vous voulez. Alors je vous oriente sur le bas, voilà. Donc à ce niveau là, je vais du coup exactement comme pour les autres pièces, je vais mettre mes deux pièces, alors peu importe le sens hein, parce que vous voyez c'est un rectangle là et qui a un repère de chaque côté, je vais venir reporter, hop,
mes petits repères et je vais venir les ensuite les marquer au fer. Ok, maintenant l'autre côté. Si vous n'avez pas envie et vous voulez mesurer, c'est, je crois que c'est 1 cm normalement. Hop, de mémoire. Alors là, ce qu'il va falloir faire attention, c'est faire la même chose sur la suédine. Alors suédine, je ne vais pas reporter puisque moi je vais faire plutôt à vue de nez. Mais ça va être important. Donc là, soit vous tracez, vous n'êtes pas obligé. Alors maintenant que j'ai mis la lumière à fond, je ne vois plus trop mon téléphone hein, quand je tourne la tête. Enfin, un peu mal aux yeux. Voilà, donc ici. Voilà. Et l'autre, c'est pareil, je vais faire la même chose. Voilà. Et exactement comme pour les autres pièces, du coup, je vais replier l'extrémité sur la ligne de repli. D'accord ? Ici, sur la ligne, je plie. Et je mets un petit coup de fer pour que ça tienne en place, pour bien fixer mon repli. Je pense que mon fer, je ne l'ai pas mis assez chaud. C'est pas grave. On va mettre des pinces. Plus chaud. Hop. Voilà, donc je fais ça sur les pièces, hein, d'accord ? Attention, si vous utilisez la suédine, elle dit clair. Oui, sur la suédine, moi, je vous conseille de ne pas repasser. De toute façon, le tissu extérieur, il est quand même épais. Donc, même si vous repassez, ça ne devrait pas trop tenir en place. Donc, ça ne sert à rien de le faire. C'est pour ça qu'on commence par le coton, comme ça on voit bien le gabarit de la pièce. Et là, pour la suédine, je vais le faire à la main. Je vais le faire en mode freestyle un peu. Hop. Voilà, donc ça, c'est bon. Ok. Pour la suédine, je mets l'envers face à moi. Et je peux tricher un peu. Je peux très bien utiliser, vous voyez, soit je reporte mes repères, soit je replie ma pièce, en fait, sur le pli central, ici. D'accord ? Le repère de repli, je la place dessus, je ne sais pas si vous voyez ma pièce en entier, oui, et là, une fois que j'ai fait ça, je viens replier comme ça, c'est aussi une technique, et je mets des pinces, hop, ok, la même chose de l'autre côté, pour le coup j'aligne le repli sur le repli, et hop, là je peux plier. Et je fais ça aussi sur l'autre pièce. Hop. Si vous voulez vérifier que c'est tout bon, vous pouvez placer votre gabarit ici et vous mettez, voyez, votre partie, votre pièce repliée. Et vous, normalement, vous devez arriver avec les replis qui arrivent au trait bleu. D'accord ? On n'est pas à 2 mm près, encore une fois. Hein. Et je fais pareil sur l'autre pièce. Bon, moi, je ne suis pas du genre à mesurer, hein, vous aurez remarqué. Donc, je vais essayer de m'appliquer. Hop. Pour avoir des replis de la même taille. Ok. Donc, moi, ce que je vous conseille avant de commencer, c'est de regarder si la pièce extérieure, ici, ok, correspond à la pièce de doublure. Alors, on n'est pas encore une fois à 2 mm, mais ça doit à peu près venir se caler. Là, j'ai l'impression que mon coton est un peu plus grand, donc je vais le replier. Encore une fois, le coton, on pourra le réajuster après. Hein, d'accord ? Donc là, c'est la suédine. Hop. Je pense que là, ça devrait le faire. Et l'autre pièce. Je vérifie ça. Ouais, c'est bon. Ok, une fois qu'on a préparé toutes nos pièces, on va venir les mettre sur la fermeture. Donc là, je vais prendre mon temps pour bien vous montrer mes placements. On peut éteindre notre fer, pour le coup là, on n'en a plus besoin. Hop. Et on est ici. Alors je sais, parce que je ne suis pas en face du tout de l'image. Donc, pour l'instant, j'ai besoin que d'une pièce de suédine. D'accord, de tissu extérieur. Je vais essayer de dézoomer, de toute façon qu'on ne voit pas tout entier. Ah, je suis... Non, j'étais pas dézoomée. Ok. Donc, pour le tuto, je vais rallumer la tablette. On est page
82 maintenant, d'accord. On va venir. Alors, c'est là que c'est important. Si vous êtes droitière, placez la fermeture de manière qu'elle s'ouvre sur le côté gauche de la pièce. Donc là, moi, je suis droitière. Donc là, ça, c'est ma main gauche. Il y a le tatouage. Donc moi, mes petites languettes de début se trouvent à gauche. D'accord? Parce que je vais ouvrir comme ça. Si je suis gauchère, je dois tourner pour que ma languette se trouve à droite. Ça, c'est ma main droite. Et que je puisse ouvrir avec ma main gauche. OK? Et encore une fois, on pourra le tourner après. Donc moi, je vais me mettre comme ça. Donc, ensuite, je vais venir prendre ma pièce de suédine. Donc, on va travailler d'abord sur le haut, mais on fera pareil sur le bas, ok? Je vais vous ouvrir comme ça pour que vous voyez bien. Je vais venir prendre ma pièce de suédine. Donc, normalement, il n'y a pas de sens de motif. Je suis tranquille, ok? Et je vais venir la placer endroit contre endroit sur le haut de la fermeture. C'est-à-dire que là, le bas de la pièce de suédine, elle va venir s'aligner parfaitement sur le haut de la fermeture. Donc, je tourne, d'accord? Je place ma suédine endroit contre endroit sur la fermeture et je démarre ici avec le bord de la languette en plaçant le bord du repli ici. Donc je peux choisir soit de l'aligner parfaitement, soit de le décaler. Moi, je préfère l'aligner parfaitement. D'accord ? Donc je suis comme ceci. Je vous montre, je vais placer ma pince. Ici, quand je soulève, vous voyez, j'ai le bord de la suédine qui est sur le bord de la languette. Ici, je ne sais pas si vous avez assez de lumière. Et ensuite là, à plat, donc c'est l'endroit de la fermeture ici. Hein, d'accord ? Face à moi, j'ai l'endroit de la fermeture. Je place la pièce de suédine, donc BZ en tissu extérieur, endroit contre endroit sur la fermeture. Et je viens, une fois que j'ai placé le début, je viens répartir les deux pièces en alignant bien le bord de la suédine sur le bord de la fermeture. Hop, et je place mes pinces. Est-ce que ça va pour tout le monde, pour ces étapes? Hop. Je place des pinces et là, on va venir faire une petite couture de maintien avant de placer l'autre pièce. Donc, pas de panique, rien ne va bouger. OK? Hop. N'hésitez pas à mettre plus de pinces que besoin, c'est pas grave. Vaut mieux y en avoir trop que pas assez. Donc, je vais en rajouter une ici. Je vais vous tourner ma pièce pour vous montrer l'autre côté. Donc, on est comme ça, d'accord? Et quand je tourne ma pièce ici, ça donne ça. Donc ça, c'est l'envers de la fermeture, ici. Et je vois l'endroit de la suédine. Moi, je vais travailler de ce côté. Je vois l'envers de la pièce. Et là, j'ai l'endroit de la fermeture. OK? On va faire une couture de maintien. Donc moi, je vais changer mon pied. On va prendre un pied pose fermeture. Du coup, et on va faire une couture de maintien à 0,5 cm du haut. C'est-à-dire que je ne viens pas m'aligner au bord du zip surtout. Là, je veux juste qu'elle tienne, donc je vais coudre à peu près à 0,5 ici. Ou plus au bord si j'ai envie, c'est moi qui décide. OK? Donc je me replace sous... Oups, désolé. Je vais remonter un peu sous la machine. Voilà. Hop. Je viens placer mon tissu sous le pied. Donc là, je suis sur le bord de la fermeture. Je vous montre, hein, le bord haut. OK. Et je ne suis pas du côté de la grande languette, mais de la petite languette. Je vais déplacer mes aiguilles. Voilà. Je vais même me déplacer un peu là. OK. Donc là, c'est une couture de maintien. Je ne suis pas obligée de faire un point avant-arrière et je vais allonger un petit peu le poids. Donc j'avance. Sur toute la longueur, donc je vais tranquillement, je n'ai pas obligé d'aller à fond et j'enlève mes pinces au fur et à mesure. Dis donc, les oiseaux sont en forme ce soir. Hein. Ici, je vais arriver à un endroit, alors attendez, je vais tenter, où le curseur va me gêner, donc je peux très bien le mettre tout au bout et là je suis tranquille. Moi je l'avais mis là pour que vous puissiez voir que j'étais bien sur l'endroit. J'essaye de bien aligner le bord de la pièce sur le bord de la fermeture et je vais jusqu'au bout. Donc quand j'arrive ici sur le repli, je le maintiens, d'accord? Je veux qu'il reste plié. Voilà, et je ne suis pas obligée de faire un point d'arrêt, je peux couper. Peux-tu nous redire l'intitulé exact du groupe d'entraide du sac Besaceloup? Sophie, ça s'appelle « Coudre la Besaceloup ». Tu vas le trouver sur Facebook et il y a marqué « Dodinette » entre parenthèses.
Mais je pense, à mon avis, que Claire va te le donner pour le... pour le... pouvoir le cliquer. Donc, on obtient ceci, d'accord? Si je soulève là, je vous montre, j'obtiens ma pièce de suédine. Tout noir, c'est un peu compliqué, hein. Ma pièce de suédine, ici, et l'endroit de la fermeture. Attends, je peux fermer pour vous montrer. Donc, je suis ici, et quand je rabats, j'obtiens ceci. D'accord? Là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir doubler cette pièce. OK? Donc, je vous attends. Hop! Et je vais ouvrir le tuto. OK. Donc, une fois que j'ai fait ça, alors, je passe des étapes. Je vais venir tourner ma fermeture sur l'envers. D'accord? Donc là, maintenant, j'ai la pièce de suédine, l'envers de la pièce de suédine qui est contre la table, comme ceci. Et là, je vais venir chercher une pièce de doublure et je vais venir la positionner. Donc, je vais réouvrir. Du coup, ça va me gêner mon curseur. Je vous remontre. J'étais comme ceci, d'accord? Là, j'ai ouvert pour pas que ça me gêne. Hop. OK, j'étais comme ceci. Je bascule dans ce sens. Donc, je suis toujours sur le haut de la fermeture. Ça, c'est la partie ouverte. Et je viens placer ma pièce de doublure endroit contre endroit sur la pièce déjà cousue. Donc, en fait, je viens prendre la fermeture en sandwich entre les deux pièces, ici. Et je viens faire attention de bien aligner le bord du repli sur le bord de la pièce, là. OK, exactement comme tout à l'heure. Hop, et je place une pince. Donc là, mon but, c'est d'avoir ici le bord de la suédine et le bord du tissu imprimé en face. Et là, ici, je viens répartir la pièce sur tout le long. Hop, voilà. Est-ce que ça va ou est-ce que je vais trop vite? Parce que là, c'est un petit peu technique. Et en plus, quand vous êtes en miroir... je ne sais pas si c'est très simple à suivre. Ici, quand j'arrive au bout, j'essaye de faire correspondre le bord des deux pièces. Vous voyez là, sachant que quand je vais coudre, ça peut bouger encore. Hein. Donc là, je ne suis pas pile poil, il y a un petit décalage. Donc je peux très bien, hop, là, ouvrir et tirer un petit peu le repli du coton pour arriver pile en face. Mais en cousant, ça peut encore se décaler. D'accord? Donc j'ai ceci. Donc j'obtiens... ma fermeture, elle est entre les deux pièces, d'accord? Mes deux pièces sont endroit contre endroit et le zip est entre les deux. Donc là, je vais venir faire une couture au point droit sur toute la longueur. Donc soit je me mets du côté suédine et bah, du coup, je suis ce que j'ai déjà fait, mais je pique plus loin. Soit je me mets du côté coton, c'est comme vous voulez. C'est comme vous êtes le plus à l'aise. Moi, je vais mettre côté suédine pour ne pas avoir à bouger mon pied, d'accord? Hop, donc... on replace tout sous le pied. Donc, j'essaye ici d'avoir un bon alignement. OK. C'est ça. Donc, la pièce en suédine, elle est déjà en place. Hein. Donc, normalement, elle ne devrait pas bouger. Donc, moi, je vais venir, hop, juste mettre mon aiguille et de l'autre côté. Donc, je pique près du bord du zip, du coup, hein, qui est entre les deux là. Là, j'ai le zip. Je pique près du bord, mais je viens pas non plus à ras parce que après ça va être compliqué. Oui, Véronique, pour une débutante, il vaut mieux que tu fasses un replay. Regarde, pose tes questions, essaye de comprendre et fais-le après tranquillement. D'accord? Il n'y a pas de souci, tu vas y arriver. Donc moi, je me mets là, j'essaye de me planter déjà dans le tissu. Je vérifie la marge de couture que je vous ai indiquée dans le tuto. Hop. Et j'ai mis à peu près 0,8. D'accord? Donc je vais coudre tout droit. Et là, je suis toujours au bord de la fermeture. La couture que j'ai réalisée tout à l'heure est ici. Donc, je vais faire un petit peu de point avant-arrière. Voilà. Et je suis descendue de mon tissu. Donc, je vais avoir besoin de ma cale. Hop. Compenser l'épaisseur. Voilà. Et je vais venir tout droit. Donc, j'y vais tranquillement et j'essaye de ne pas décaler les pièces. Je vais jusqu'au bout. Alors attendez, je vais fermer juste ma fenêtre parce que c'est bientôt la nuit et je vais avoir des moustiques partout avec toute la lumière allumée. Désolée, je suis passée devant vous. Alors, c'est fini pour les oiseaux du coup. Je continue à coudre et je vais tout droit.
quand j'arrive à l'extrémité, je peux planter et regarder ce que ça donne avec mon repli. Est-ce que ça va? Ça m'a l'air pas trop mal. Donc j'essaye de tirer un petit peu pour que l'un corresponde en face de l'autre. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Après, si c'est pas pile poil, c'est pas très très grave non plus. Hop, et donc je passe, et donc là je couds sur le repli de la suédine, d'accord? Hop, point avant-arrière. Et je coupe mon fil. Donc je vous montre ce que ça donne ici. Quand je vais replier, hop, mes deux pièces envers contre envers, j'obtiens la suédine. Là, le dent du zip ici, et là, quand je replie, je vais doubler ma pièce, d'accord? Donc si je ferme, hop, ça me donne ceci. Donc là, j'essaye d'avoir un alignement à peu près correct en haut, et je vais venir placer les deux pièces du coup envers contre envers en essayant d'aligner le bord ici. Ok, là, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, et je vérifie que tout coulisse. Ça va. Ok. De l'autre côté, je vous montre, je tire bien la pièce de doublure pour qu'elle ne vienne pas se prendre dans les dents du zip. J'ai l'impression que j'ai fait quelque chose d'assez régulier, donc ça va. Et ici, là, je viens tirer la matière pour essayer de faire correspondre le bord haut. Ok. Et je place des pinces sur la longueur. Tirer un petit peu. Hop. Voilà. Voilà. Donc ça me donne ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que comme c'est noir. Voilà. Ok. Et donc j'ai ma pièce ici. Coulisse. De ce côté j'ai la suédine et de l'autre j'ai le coton. Donc je dois juste vérifier quand je coulisse. Que le zip ne se met pas, ok, sur le coton. Donc là, ce que je vais faire ici, je vérifie que tout est ok et je vais venir faire une couture au point droit, d'accord. Donc je vais venir fermer le côté ici, une surpiqûre. Là, je vais venir surpiquer le bord du zip. Ici, je vais venir fermer et je vais venir fermer le haut de la pièce. Donc je prends mon temps, d'accord. On prend son temps pour faire tout le tour. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Moi, je vais commencer par là, d'accord? Je vais commencer par une épaisseur. Ensuite, je vais aller tout le long du zip. Je vais remonter et je vais faire le haut en dernier. Comme ça, je vais avoir fixé un côté. Là, je suis sûre que le curseur va passer. Et ensuite, en haut, ce sera facile. Donc, pour ça, hop, je vais garder mon pied pose fermeture. Et décaler mon aiguille. Et j'hésite pas à allonger un peu mon poing si je vois que la machine a du mal. Là, je vais démarrer, je pense que je vais pas être sur les... Ouais, je m'en doutais, je suis pas du coup sur les... Je ne sais plus parler. L'entraînement de la machine. Alors, parce que j'ai décalé mon pied, je vais essayer de mettre une petite cale et si ça va pas, je changerai de côté. Hop. Voilà. Donc je vais tout droit. Quand j'arrive dans l'angle, comme tout à l'heure, je plante, d'accord. Hop, je tourne. Je vais pouvoir remettre ma petite pinceau là. Ici. J'ai très très chaud avec toutes ces lumières allumées là. Et du coup, je viens tout droit. Alors, le curseur là, il va me gêner. Donc j'anticipe. Je vais le passer avant d'arriver dans la ligne droite. Je vais le passer de l'autre côté. Hop. Sur l'extrémité où il y a le grand carré. Comme ça, je suis tranquille. Et là, je peux coudre tranquillement droit. Qu'est-ce qui raccroche? Il y a un petit truc qui raccroche. C'est le niveau de la suédine. Hop. Voilà. Donc, j'y vais tranquille. Et
je l'étendra. Et quand j'arrive au bout, là, j'ai pas mal d'épaisseur aussi. Hein, donc, je prends mon temps. J'arrive dans l'angle. J'essaye de ne pas trop descendre pour pas avoir trop d'épaisseur à remonter. Hop. Je vérifie. J'essaye d'avoir un alignement qui soit sympa. Et je vais tout droit. Arrivé à l'extrémité, là, c'est facile. J'ai moins d'épaisseur. Je plante. D'accord. Et voilà. Véronique, tu dis, c'est une machine à coudre de compétition. Moi, j'ai une toute petite, toute simple. Mais tu sais, moi, je pense que... Parce que là, j'ai pas trop pris encore en main ma machine. Donc, du coup, je dois compenser les épaisseurs. Je pense qu'il aurait fallu que je me décale plus sur les griffes d'entraînement. Mais c'est normal, parce que ça, j'ai cousu deux fois dessus. Mais je pense que ma Marion, elle aurait tout passé sans souci. Hein. Avec un petit pied, là, défonds à roulette, hop, c'est parti, quoi. Hop. De toute façon, c'est toujours ça. Quand on change de machine, on perd ses repères. Il faut un peu de temps pour s'acclimater. Mais avec ta machine toute simple, je pense que ça va aller. Hein, parce que tu la connais. Hop. Et on va tout droit. Je fais un petit point avant-arrière. Hop. Et je coupe mon fil. Ah, tu veux que je zoome, Claire? Oui, alors. Je vais vous montrer ça. Je vous zoomerai plus pour l'autre pièce parce que du coup, j'ai fini. Le problème, c'est que c'est noir. J'ai mal choisi mes tissus. Donc, du coup, ici, j'ai fait une couture au point droit. Hop, sur. Donc, j'ai commencé par un côté, celui-ci. D'accord. Là, j'ai fait tout droit. Ici, je suis venue surpiquer le bord de la fermeture. Je la ferme. Ça, vous voyez mieux où est le curseur. D'accord. Donc, j'ai surpiqué ici. Je suis remontée. Et là, je suis venue fermer ici. Donc, la pièce ne s'ouvre plus du tout. Et côté envers, ça nous donne ça. OK. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, c'est un petit peu technique, là. Hein, mais en réalité, en y allant tranquillement, il n'y aura pas de problème. C'est pour ça que je vous l'ai fait en live, parce que j'avais envie de vous montrer ces étapes-là qui peuvent faire peur. Et finalement, c'est comme si on faisait une trousse, en réalité. Hein, vous voyez? Quand on fait une trousse, après, on vient mettre la fermeture comme ça. Nous, on veut rester à plat. C'est tout. OK? Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Et on va ensuite faire l'autre côté. Alors, une fois qu'on a fait ça, ok, on va terminer notre pièce zippée et je pense qu'on montera dans la doublure, on le fera le jour du montage de la doublure, je crois que c'est lundi. Oui, je crois que c'est lundi. Comme ça, on finit tranquillement cette pièce et on s'arrête, on prend une petite pause et on fera la suite du coup lundi. Donc, on va faire pour l'autre côté exactement la même chose. Muriel, c'est chaud, qu'est-ce qui est chaud ? Est-ce que c'est l'épaisseur? Est-ce que je vais trop vite? Ça sera en replay perdu, elle dit Diane. Oui, ça m'étonne pas. C'est normal parce que c'est, il faut prendre vraiment son temps pour ces étapes. Là, moi, je vous synthétise, je vous explique tout, mais faites-le en replay en faisant pause, il n'y aura pas de problème. D'accord? Plus, on fait pareil sur l'autre côté et Lady va zoomer sur la deuxième partie. Exactement, Christine, je vais vous zoomer. Moi, je ne me rends pas compte si vous voyez bien ou pas dans la vidéo. Donc, je vais vous zoomer. Donc, pour l'autre côté, on va faire la même chose, d'accord? Donc, on a notre fermeture qui est comme ça, ici. Et on va venir prendre la pièce en suédine et on va venir la mettre comme ça, endroit contre endroit, d'accord? Sur le bas de la fermeture cette fois-ci, en alignant, du coup, ici, vous voyez, le repli. D'accord? Ça, c'est le, comme si c'était le haut. On peut faire pareil, on dirait que c'est le haut, comme tout à l'heure. Et je viens aligner le repli ici. D'accord? Là. Ensuite, imaginez, on fait exactement les mêmes étapes. On va imaginer qu'on travaille en haut plutôt qu'en bas, c'est la même chose. D'accord? Donc, j'ai placé mon repli ici, là, hop, et là, je viens aligner ma pièce sur le bord de la fermeture. C'est exactement tout pareil. Oui, Sophie, c'est prévu de faire en replay, car trop technique, prenez votre temps, il n'y a pas de problème. Hop, voilà. Tac. Et puis en plus, vous pourrez mettre pause et tout et tout. Là, j'avance parce que comme il est déjà 20h, comme on commence plus tard les lives, forcément, on finit plus tard. Hop, voilà. Donc du coup, ici, vous voyez, là, j'ai placé... Alors, je vous ferme la pièce pour vous montrer. Hop. Donc, ici, on a la partie qu'on a déjà cousue. Et là, je suis venue aligner exactement de la même manière sur le haut de la pièce. D'accord? Sur le bord de la fermeture. Donc, je vais vous ouvrir. Comme ça, vous allez voir. Donc là, on imagine que ça, c'est pas là, c'est pas grave. Et ici, c'est exactement comme ce que vous allez faire pour la première étape, c'est tout pareil.
Donc j'ai bien aligné le bord du repli sur le bord de la petite languette ici et je vais venir faire une couture de maintien au bord de la fermeture à 0,5 cm du bord. Donc je me replace comme tout à l'heure. Hop. Et là, je viens faire ma petite couture de maintien. Donc je ne suis pas obligée. Ah, vous avez trop de fil ici. J'espère que c'est pas la fin de ma canette. On va voir. Hop. On fait notre petite couture de maintien sur le bord. D'accord. Ah oui, j'avais dit que je vous zoomais. Excusez-moi. Donc je vous zoome. Voilà. Est-ce que c'est mieux là pour voir la pièce? Donc là, j'ai le bord de la fermeture, d'accord, qui est là. Et donc je viens faire une petite couture de maintien ici. Toute la longueur, j'essaye de ne pas créer de décalage. Donc si j'ai un décalage, ce ne sera pas trop grave. D'accord. Et une fois que j'arrive là, je vous montre ici, j'ai le repli qui doit être sur la languette. Vous voyez, j'ai ma languette ici. Donc hop, j'ai mon petit repli. Et je vais toujours tout droit. Ici. Je ne suis pas obligée de faire un point d'arrêt parce que c'est une couture de maintien. C'est mieux, parfait avec le zoom. Ok, génial. Et comme ça, vous allez revoir ces étapes-là parce que c'est la même chose. Donc ici, j'ai fait ma couture de maintien, d'accord? Je coupe mes fils, là, ok? Là, donc je vous montre, si je rabats sur l'endroit, ça me donne ceci. Je me retrouve avec ma suédine, ici, d'accord? Attendez, je ne vois pas de quel côté je suis, c'est là. La suédine et la petite languette qui se trouve ici, d'accord? Donc là, je suis comme ceci et il ne me reste plus qu'une pièce à placer ici. Je vais venir. Donc je referme, comme ça vous vous rendez mieux compte de la pièce en entier. Donc je suis comme ça, d'accord? Là, c'est la pièce que j'ai cousue tout à l'heure. Je commence à avoir ce que j'ai envie, ok? Donc là, je vais tourner comme tout à l'heure ma pièce, la fermeture côté envers face à moi. Et là, je vais ouvrir pour enlever ça parce que ça va vous gêner visuellement et en plus le curseur va me gêner. Donc, j'ouvre et ça, je le replie. D'accord? Donc je suis comme ceci. Là, j'ai la suédine face à moi et l'envers de la fermeture. J'étais comme ça quand j'ai cousu. D'accord? Hop, j'ai tourné. Je viens prendre mon tissu de doublure. D'accord? Et je viens le mettre endroit contre endroit sur la pièce déjà cousue. En prenant soin d'aligner le bord de la pièce sur le haut de la fermeture comme ceci, d'accord? Et surtout en faisant correspondre le repli sur le bord ici. Hop. Et je viens mettre une pince, ok? Là, je viens ici, ok, et j'aligne. Ça, c'est déjà cousu, ça ne bouge pas avec ma petite couture de maintien et j'aligne tranquillement ici. Voilà, hop, sur toute la longueur. Et ici, je regarde à voir si j'ai le repli qui correspond ici. Ça a l'air d'aller, donc je vais placer ma pince. Et de toute façon, en cousant, je vais pouvoir réajuster. Ok, donc je mets mes petits fils. Voilà. Donc là, c'est la couture que tout à l'heure, je n'avais pas zoomé. Donc là, je vais bien vous la zoomer. Hop. Donc là, vous voyez, c'est la couture que j'ai fait tout à l'heure. Donc soit je me place comme ça. Hop, comme ça je vois ma couture et j'avance. Soit je me place comme ceci, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas vraiment de préférence. La pièce d'en dessous, elle ne devrait pas bouger. Donc on peut essayer de se mettre côté coton si on veut. D'accord? Donc je vous montre où est la fermeture. Elle est ici. J'ai mon zip ici. Alors noir, noir, c'est pas cool. J'avoue, la prochaine fois j'y penserai pour contraster. Ok? Donc je viens là et je vais venir placer le tissu sous le pied. Hop, j'aligne le bord et moi je veux piquer ici parce que mon zip est ici. D'accord, je viens essayer de venir à côté. Moi, je vais décaler. Hop, du coup, mon aiguille. J'essaye d'avoir à peu près la même marge de couture que tout à l'heure. Ok, et là je vais planter. Donc, je vais essayer de ne pas descendre pour ne pas avoir l'épaisseur à remonter. Hop, on va voir. Je vais partir en avant. Ouais, je vais pouvoir faire un tout petit point arrière essayant de ne pas descendre. Ok. Donc là, je repars en marche avant en espérant ne pas avoir trop descendu.
Si, j'avais trop descendu. Donc, où est ma cale? Elle est là. Hop. Je vais venir caler derrière. Alors, j'enlève cette pince parce qu'elle me gêne. Voilà. Toujours pas. Cookie. Elle est coquine, ma machine. Elle m'embête. Alors, attendez. Je vais essayer de résoudre mon problème. Ah, peut-être je suis trop près du zip. Peut-être. Je vais sortir. Peut-être je suis trop près. Sans doute même. Alors. Hop. Regardez qu'est-ce qui se passe. Hop, je vais essayer de piquer un peu plus loin et je vais allonger mon point. Donc ici, là, hop. Et j'allonge. Voilà. Alors. Voilà. Donc ici, là. Donc encore une fois, c'est parce que je ne suis pas habituée à ma machine. Sur ma machine Marion, je le fais sans problème pendant les tests. Alors, ici, je vais venir coudre comme ça, tout droit, ok, en gardant ma marge de couture. Et je crois que... Non, c'est bon. Peut-être plus de fil de canette. Non, c'est bon. Donc, je viens tout droit. Hop, j'essaye de ne pas faire trop de plis ici, hein. D'accord, là, vous voyez, je fais un petit décalage. C'est pas grave, je me rattraperai ici. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on pourra rattraper après là-bas. Donc là, vous voyez que je vais avoir un petit décalage, je vais vous soulever. Vous voyez ici, je vais dépasser de la pièce. Donc simplement, je rajuste, je tire et je replie. Et je viens tout droit, tout droit, tout droit. Et ici, je vais faire mon point d'arrêt. Hop là. Youp. Donc, ça me donne ça. Ok, de l'autre côté. Vous voyez que j'ai ma couture de maintien et j'ai l'autre couture. Et je vais venir replier. Ah oui, tout à l'heure, je ne vous ai pas dit, on peut dégarnir un peu l'angle de la pièce. J'ai oublié de vous le dire. Je vais le faire là pour vous montrer. Donc avant de retourner, je peux venir dégarnir un petit peu ici dans l'angle. Vous voyez ici, j'ai ma languette et là, j'ai le bord de la pièce. Donc je peux venir couper. Attention, je ne coupe pas la fermeture. Je vais couper ça et la suédine. Hop! Voilà, et ici c'est important, je fais très attention, je coupe que le tissu et pas la fermeture. Vous voyez là, ici, je peux venir couper comme ça, ça va me réduire les épaisseurs dans les angles. Bon, sauf là, je vais couper un petit peu, voilà, mais comme j'ai ma couture de maintien, je peux moins couper. Hop, ici, là, une fois que j'ai fait ça, je replie comme ceci. D'accord, donc je rabats les deux pièces envers contre envers. Hop, et j'essaye d'aligner à peu près mes replis. Voilà. Et là aussi. Hop. Voilà. Ici. Oui, Katie, je coupe pour garnir un petit peu les épaisseurs dans les angles. Ici, je vais venir tirer, d'accord, pour essayer de faire correspondre le bord de la pièce. De toute façon, s'il ne correspond pas ici à 5 mm près, c'est pas grave parce que nous, on va venir avoir à la fin, on aura une couture d'assemblage ici à 1 cm. D'accord? Donc j'y vais tranquillement. Hop, voilà, je tire bien. Si je veux repasser l'arrière pour être sûr que le tissu ne se prend pas dans les dents du zip, il n'y a pas de problème. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, je suis prête et là, je vais vous montrer l'étape que vous n'avez pas bien vue tout à l'heure. Donc, je vais vous fermer la fermeture pour vous montrer le global de la pièce. Donc ça, c'est la pièce que j'ai cousue tout à l'heure et vous voyez, j'ai l'autre qui vient se mettre en face, d'accord? Ici, c'est ouvert, c'est normal et c'est ouvert aussi en haut et en bas ici. Donc, ce que je vais faire, c'est exactement comme tout à l'heure. Je vais venir faire une surpiqûre sur le côté, le long du zip. Vous voyez, mon zip, il s'ouvre ici, là. Ah. Voilà. Les coulisses pourtant. Moi, je sais pas. Donc, le long du zip ici, hop, là, d'accord, jusqu'en bas. Et en bas, je vais faire ça. Ok? Et ensuite, je vais venir fermer.
Si je vous vois paniquer certaines, vous avez trop peur de cette étape et vous n'êtes pas sûr d'y arriver, ne vous mettez pas la pression parce que ça c'est pour fermer le haut du sac, mais si votre pièce n'est pas réussie ou si vous n'y arrivez pas ou qu'elle ne vous plaît pas, on ne sera pas obligé de la coudre, d'accord ? Ce ne sera pas grave. Si le tissu a un motif, il faut le mettre vers la fermeture ou vers l'extérieur. Si le tissu a un motif, en fait, il faut qu'il soit... Soit tu le mets pour qu'il soit de chaque côté dans un sens, parce qu'en dessous, tu vois, quand tu vas l'ouvrir, ce ne sera pas grave. Soit tu mets les deux dans le même sens. C'est pas très, très important. D'accord ? Donc là, je vais surpiquer. Donc, je vais commencer par ici et je vais vous... Vous me dites si c'est pas assez zoomé, hein, surtout. Je pense que je vais... qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre le pied plus fin, peut-être, pour voir si c'est plus facile pour moi. On va voir. Hop ! Donc, je mets là et je vais ouvrir. Toc. Donc, je me mets au bas, ici, d'accord ? Je décale mon aiguille. Hein, je vais piquer à peu près 0,5. Devoir décaler un petit peu plus mon pied. Hop. Voilà. Donc là, je vais essayer d'avancer. Donc je suis directement dans l'épaisseur. D'accord ? Donc bien sûr, je ne suis pas encore sur mon pied, sur mes griffes d'entraînement. Hop. Ça, on va l'enlever. Et j'avance. Voilà, donc je ferai mon point avant arrière après, c'est pas grave. Donc là, je suis dans l'épaisseur, j'avance tranquillement, j'arrive dans l'angle. Je plante, d'accord. Coucou Nathalie. Hop, je viens ici, donc là j'ai encore de l'épaisseur. Où est ma canne? Je reviens, hop. Et là, mon but est d'aller tout droit pour surpiquer le long de la fermeture. Est-ce que ça va ou je vous zoome un peu plus? Peut-être je vous zoome un peu plus. Et je vous remonte. Voilà. Donc là, mon but est de venir surpiquer le bord. Je peux tirer un petit peu le tissu de doublure pour être sûr que ça se passe bien. D'accord ? Qu'il ne vienne pas se mettre dans les dents du zip, celui qui est en dessous par la suite. Et là, vous voyez, j'ai ouvert ma fermeture à fond. C'est là. Comme ça, je suis tranquille pour la pièce. Ça, c'est la pièce déjà cousue. Donc, je la mets là. OK ? Alors, ensuite, on va tout droit. Courage, courage. Si vous cousez en même temps que moi, on a presque fini. La longueur. Là, est-ce que vous voyez avec mes mains? Je ne sais pas. Bon, vous me direz. Hop, je vais jusqu'au bout. Hop, quand j'arrive dans l'angle, je pense que je peux faire un point encore à deux. Voilà, je vais me mettre à arrêter là. OK, je plante et je tourne. On va voir si j'ai pas trop d'épaisseur à monter, sinon je vais mettre ma cale, mais je pense que là j'ai une petite épaisseur. On peut la mettre tout de suite. Vous voyez, quand je mets la cale derrière le pied, ça donne ça. Vous voyez là l'épaisseur à monter un petit peu. Donc je viens ici, je soulève le pied quand c'est planté et je viens compenser l'épaisseur avec la cale. Vous voyez là, du coup je suis à plat. Et ça va aider ma machine. Donc si vous n'avez pas de cale, prenez un morceau de carton, c'est pas un problème. D'accord ? Le but est de compenser l'épaisseur ici pour que votre pied. Il monte bien à place et tout. Hop, vous voyez, et une fois que j'ai commencé, c'est bon, c'est parti. Une fois que j'arrive là, normalement, j'ai moins d'épaisseur. Donc, je vais venir planter. Pareil, je lève mon pied et je vais tourner ici. Et là, je vais venir tout droit. Donc là, c'est facile, c'est du point droit, il n'y a pas d'épaisseur. Je vous dis ça, mais moi, non. Hop, parce que je ne suis pas dans la grille d'entraînement. Ah oui, c'est vrai. Hop, donc je vais venir compenser avec ma cale. Attendez, j'ai enlevé mon pied, bien sûr. Quelle bonne idée. Bon, heureusement, mon aiguille est plantée. Hop. Voilà. Et donc là, j'y vais. Hop. Donc là, je vais tout droit, d'accord. Ici, là. Hop. Pour bien fermer la pièce, qu'elle ne bouge pas. Ça, c'est une couture de maintien, celle-ci. Et quand j'arrive au bout, je pense à mon point avant-arrière que je n'ai pas fait tout à l'heure. Voilà. Ouf, j'ai eu chaud. Alors, du coup, ici,
Hop. Voilà, je vais couper et je vais vous dézoomer pour vous montrer ce qu'on a fait. J'ai hyper chaud, j'ai une lampe ici et une lampe en haut. Hop. Alors, donc, je vous montre ce qu'on a fait. Donc, on va pouvoir couper un petit peu les fils. Voilà. Comme ça. Ce sera plus joli. Donc, on est comme ceci. Et donc, si je ferme ma fermeture, je me retrouve avec... Alors, ça, c'est pas grave, hein. Le mini décalage ici, parce que je vais venir coudre à 1 cm. Donc, ça va pas du tout se voir. Là, je suis à un mini décalage, pas grand-chose, ça va. Donc, j'ai ma pièce de haut de sac. C'est bon, terminé, Audrey. Génial. Sophie, tu dis quelle gymnastique, parce que je dois mettre une cale. En fait, sur mon autre machine, ça se passait sans problème. Et celle-ci, eh ben, quand j'utilise le pied fin, si tu vois là, ici, bah, du coup, là... Si j'ai pas de matière, tu vois ici, si je me mets comme ça et que j'ai pas de matière ici, bah, je suis pas sur les griffes d'entraînement. Du coup, bah, ça n'entraîne pas, c'est normal. Donc du coup, je pense que c'est le coup de la prendre en main. Du coup, vous, il y aura moins de soucis que moi parce que vous connaissez bien votre machine. On se retrouve avec ceci, c'est la pièce de haut de sac, d'accord? On a le zip au milieu et quand on ouvre, on peut aller jusqu'au bout. On est ici, tout va bien, d'accord? Sylvie, elle dit « Ouf, est-ce que tu as réussi, Sylvie ? Rassure-nous. Rassure tout le monde qui a peur que ça va bien se passer. » Voilà, donc là, j'ai ma pièce de haut de sac. C'est nickel. J'ai mes petites languettes de cousu. Donc ça, c'est cool. Je peux couper mes petites pièces. Et j'avais prévu normalement de coudre cette pièce dans la doublure. Mais du coup, comme vous êtes beaucoup à travailler en replay et que c'était quand même un peu intense et qu'il est déjà 20h07, on va s'arrêter pour ce soir et on finira... cette pièce, c'est pas grave, on la finira lundi. Sophie, elle dit très jolie, génial. Ah, Sylvie a réussi, vous voyez, c'est possible. Donc, ça va aller pour vous. Prenez votre temps, il n'y a pas de raison. S'il y a trop d'épaisseur, mettez une cale, comme moi. Mais normalement, ça va bien se passer. Les épaisseurs, elles se situent où? Elles se situent ici, dans l'angle ici. Donc, si vous voyez que votre machine a du mal à passer comme ça, bah, vous arrêtez votre couture, un point d'arrêt, et puis vous reprenez comme ça, il n'y a pas de problème. Et normalement, ça va aller. J'ai aucune testeuse qui a eu de problème pendant le test. T'as un petit décalage entre les pièces, moi aussi, mais pas beaucoup. Tu vois ici, honnêtement, quand ça va être cousu sur le sac, quand tu vas ouvrir, ça va pas se voir du tout. Ici, si vous avez des mini décalages, c'est pas grave du tout. Les côtés, ça va se voir quand on va soulever. Voilà, comme ça. Mais ce qui compte, c'est la face avant. Patricia, elle dit, j'adore ton tissu imprimé. Bah, merci beaucoup. Ah, Audrey aussi a réussi, vous voyez. C'est le tissu Kala qui est sur la boutique aussi. Véronique, ça va aller. Elle nous dit bonne soirée. Travaille bien en replay, ça va le faire. Je suis confiante pour toi. Voilà, donc ça, c'était le point technique du jour. Hein. C'était technique, c'est pour ça que j'ai voulu faire que ça aujourd'hui. Donc, prenez votre temps pour ces étapes. Il n'y a pas de raison de ne pas réussir. En y allant doucement, ça se passe bien. Désolée, je baille un peu parce que je suis debout depuis 5h30 ce matin parce que les jours de live, je dors pas beaucoup. Je suis pressée de vous retrouver. Voilà. Dernière couture pour ce soir. Christine, elle dit oui, Sandrine a réussi. Parfait. Astrid aussi, ça a l'air d'aller. Merci, elle dit génial. Alors, je vais remonter pour faire un petit coucou. Hop, je vais me dézoomer avant hein, quand même. Voilà. Et je suis là. Et ben, vous voyez, oh, bah, je suis même décoiffée. Moi aussi, j'ai eu chaud. Vous voyez, et il fait très chaud dans l'atelier quand je ferme les fenêtres. Ça, c'est l'effet de l'été. Attendez, je vais baisser ça aussi parce que là, j'ai la lumière. Voilà, ça va mieux. Donc, j'espère que ça a été, que vous avez moins chaud que moi, en tout cas. Katie, elle dit, je rattrape tout ça demain. Et ben, parfait. Claire, elle vous met le lien du coton et le lien du groupe d'entraide, coup de la besace loup d'Odinette. N'hésitez pas à nous rejoindre, surtout si vous avez peur. Vous pourrez poser vos questions, mais il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Je vous remonte ma pièce cousue. Donc là, c'est les dessus. D'accord. Ma petite languette, ici, là, quand je l'ouvre. Ok, hop. Et voilà. Eh bien, il y a Véronique qui dit bonne nuit et un grand merci. Eh bien, parfait. Diane, un peu en retard, mais ça marche. Parfait, parfait. Vous écrivez vite. Marie, merci beaucoup pour cette soirée. Couture, c'est vraiment top de coudre ensemble. Eh bien, aussi. Et Nadège, elle dit, moi aussi, j'ai chaud, je crois. La prochaine fois, je pense que je prendrai un petit ventilateur. Katie, merci tout plein, Elodie, Claire, Christine. Eh bien, merci les filles de m'avoir aidée à retranscrire toutes les infos pour Katie qui est malentendante. On a vraiment une équipe de choc. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Courage si vous travaillez en replay. N'hésitez pas. Faites en même temps que moi. Mettez pause.
Avancez votre ouvrage, reprenez, repassez en arrière si besoin, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. D'accord ? En y allant doucement, ça ira. Moi, j'avais un temps imparti, vous avez 24 heures pour finir, donc il n'y a pas de problème. Qui est-ce qui a dit ça ? J'ai vu Nathalie, elle dit « Bonne soirée, moi je n'ai rien fait, il n'y a pas de problème, on avance les pièces une par une. Demain, on ne travaillera pas sur cette pièce, d'accord ? Donc si elle n'est pas finie, c'est pas grave. Demain, on va se faire la poche arrière. » Josette, elle dit « J'ai suivi le live parce qu'elle finit ses préparatifs. » Merci à Claire pour son aide énorme. Bonne soirée à toutes. Ben merci beaucoup à vous. Je vous dis à demain. Moi, je vais m'aérer un petit peu. Je vais prendre l'air dehors. Et bon courage pour cette pièce. Demain, on fait la poche plaquée. Enfin, la poche passepoilée de dos. D'accord ? Christine, elle me dit « Repose-toi bien, Elodie. » Merci, Christine, mais pas sûre que je dorme plus. Je suis tellement contente de passer du temps avec vous. C'est comme, vous savez, quand on est pressé d'aller quelque part. Par exemple, on est pressé de partir en vacances. C'est pareil, on se réveille aux aurores. C'est pas grave, je dormirai quand la besace sera finie. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci de ce moment, c'était chouette. J'espère que je vous ai pas fait peur. Il n'y a pas de raison, ça va le faire. Et je vous dis à demain, même lieu, même heure, 18h30, sur ma page Facebook. Belle soirée, à demain. Et merci à Claire et à Christine pour leur aide et à celles qui ont commenté aussi. Bonne couture, à demain.